Mes frères bien-aimés, quelle joie de fêter ensemble le troisième dimanche de l'Avent, qu'on appelle aussi le dimanche Gaudete, c'est-à-dire le dimanche de la joie, car il est comme une pause au milieu de l'Avent et comme une anticipation de la joie de Noël. C'est d'ailleurs pour cela que le célébrant a la possibilité aujourd'hui de revêtir la chasuble rose pour symboliser cette joie. Le violet est la couleur ordinaire du temps de pénitence, mais il s'éclaircit en rose sans toutefois passer encore au blanc, couleur des fêtes de la Nativité. Alors que notre cœur soit dans la joie à l'approche de Noël, et j'imagine que vous commencez déjà à embellir vos maisons par de belles guirlandes, brillantes ou classiques, peut-être même un sapin naturel avec son odeur de sève, illuminé de 1000 petites lumières tremblotantes, avec des cheveux d'ange au bout des branches, de quelques boules étincelantes au rouge vif, une belle crèche au pied de l'arbre, sans l'enfant Jésus bien sûr, et j'en vois déjà certains ou certaines ressortir des vieux vinyles des chants traditionnels de Noël. Et oui, ne vous cachez pas, mesdames. Tant mieux, cela permet de mettre la joie dans les cœurs, pour les enfants et pour les adultes. Mais restons dans l'Avent. N'allons pas trop vite en décoration extérieure, car aujourd'hui, c'est de l'embellissement de notre maison intérieure qu'il s'agit, de l'embellissement de notre âme. Et oui, c'est bien dans notre âme que le Seigneur désire habiter, et il y demeure déjà depuis le jour béni de notre baptême, mais à l'approche de Noël, et tout spécialement pendant le temps de l'Avent, il nous demande, prêtres y compris, de descendre en nous-mêmes pour nettoyer, pour décorer, pour rénover. C'est ainsi que les lectures d'aujourd'hui sont là pour nous éclairer. Et c'est une fois de plus Saint Jean-Baptiste, le grand prophète, qui vient crier dans notre cœur « Redressez le chemin du Seigneur, car celui qui se tient au milieu de vous, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Ah, qu'il est bon de s'accrocher au prophète qui annonce haut et fort et sans embâge la parole de Dieu et la mettre en pratique dans leur propre vie. Et ici, Saint Jean-Baptiste est exemplaire dans son amour pour le bon Dieu. Alors n'ayons pas peur de le suivre, d'entendre son appel. Car mes frères, je vous le dis, même s'il a crié ces paroles il y a 2000 ans, c'était pour que nous, aujourd'hui, nous les entendions. Et lorsque l'on est catholique, on se doit de travailler sur nous-mêmes pour être toujours à l'image de Jésus-Christ. Celui qui se dit « c'est bon, je suis quelqu'un de bien », je ne fais pas de péché, je ne fais de mal à personne, il est loin du compte, parce que croyez-moi, il ne s'agit pas tant de ne pas faire le mal, mais il s'agit de faire le bien, et pas seulement de façon naturelle ou humaine, puisque ça tout le monde peut le faire, mais de façon surnaturelle en imitant le Christ. Voilà pourquoi mes frères, en redressant les chemins du Seigneur, le Seigneur désire nous donner la joie intérieure. Non pas des joies superficielles extérieures. Je me souviens d'ailleurs de ma première année de prêtrise à Bruxelles. Il y avait pendant cette période le marché de Noël, avec ses dizaines de cabanons vendant une multitude d'objets plus ou moins utiles. Alors chaque jour, en fermant l'église et en traversant le marché qui entourait l'église, la joie semblait à son comble. Au milieu du bruit incessant des musiques, des odeurs de gaufres, de chocolat chaud ou de vin chaud, j'arrête là, vous allez avoir faim, mais aussi des lumières blanches pour donner une impression de splendeur, je regardais les visages des passants, visages souvent amusés, joyeux. Et ils étaient là, ils se suivaient lentement, les uns derrière les autres, dans l'espoir de trouver encore mieux à la cabane suivante, peut-être un petit cadeau à offrir. Et à quelques mètres de là, il y avait cette grande avenue, dans le centre de Bruxelles. Là, ça bouchonnait tout le temps. Et alors, il était aussi intéressant de regarder les visages dans les voitures. Il y avait d'abord les conducteurs blasés, énervés, ça klaxonnait. Les enfants se disputant à l'arrière ou collés à leurs petits écrans, sans sourire. Les ados avec le casque audio sur les oreilles. À l'époque, ils étaient comme ça, les casques. Et puis, le visage anxieux. Et j'avoue que ça me faisait de la peine qu'on puisse passer d'un moment de joie, et c'est là qu'on se rend compte que c'est de la joie éphémère, à tout de suite, l'anxiété, la tristesse, l'ennui, la joie n'est plus là. Et savez-vous, mes frères, ce qu'il y a de grand dans la religion divine qui est la nôtre? C'est qu'elle vient nous proposer le bonheur.
est donc la vraie joie du cœur, non pas en rejetant les plaisirs et les désirs, certainement pas, mais la religion catholique qui nous a été donnée par notre Seigneur Jésus vient instaurer une amitié entre Dieu et sa créature. Et cette amitié divine passe par notre âme. Et c'est par cette amitié que nous commençons à changer. Et donc que nous sommes dans la joie. Redresser les chemins du Seigneur, c'est déjà commencer dans son âme, en donnant au Seigneur plus de place. Voilà pourquoi Saint Jean-Baptiste nous le crie. Allez-y, n'ayez pas peur de l'élan, de l'entrain. Battez-vous comme je me bats pour devenir saint. Voilà ce qu'il nous dit en ce jour. Alors comment faire, mes frères, pour obtenir cette joie intérieure? Nous venons de le dire, il faut faire des efforts et surtout il faut se donner. Celui qui se donne apporte de l'amour aux autres. Celui qui s'oublie un peu pour penser à l'autre, non seulement obtient une très grande joie intérieure, mais la transmet à l'autre. Mais il faut déjà arracher toutes les mauvaises herbes de notre âme, la paresse, l'orgueil, la vanité, la colère, la rancœur, l'idolâtrie, c'est-à-dire ce culte que je peux rendre aux objets, à l'internet, aux jeux, au foot, à mon boulot, à l'argent, à tout ce qui accapare mon temps au détriment de mes proches et du bon Dieu. Et pour arracher tout ça, mes frères, vous le savez déjà, nous venons de le dire, il faut se donner de l'amour. Je reprends toujours mes vieux exemples. Mais quand maman demande éventuellement d'obéir, d'étudier, de réussir à dire « Allez, j'y vais ». Par amour, pour faire plaisir, pour plaire au bon Dieu et pour apporter de la joie à mes proches. Je n'aime pas faire la vaisselle. De l'amour, on se sacrifie. Allez, on y va. On allume l'eau. Et vous, chers parents, il est si bon de grandir dans cet amour entre époux, d'être délicat pour plaire à l'autre et le soutenir jour après jour. Oui, mais mon père, il ne change pas. Il est toujours égoïste. C'est pas grave, on renouvelle, mes frères. On est tous pareils. On a tous des péchés, on doit tous s'améliorer. Oui, mais il a tort. C'est pas grave, on s'abaisse. Ça semble facile, mes frères. Je sais bien que cela nous est difficile. Mais en même temps, voilà des efforts que nous pouvons tous faire dans notre entourage. Le Seigneur bénit ceux qui font des efforts, ceux qui se donnent comme ça pour plaire à l'autre. Et avouez, mes frères, que lorsqu'on fait des efforts sur nous-mêmes, il y a cette joie intérieure qui pénètre notre âme, parce que nous savons que nous sommes bénis par le bon Dieu. Voilà pourquoi c'est une invitation vraiment, pendant les 2 semaines à venir, à travailler notre âme pour obtenir cette joie. Et puis, vous le savez, chaque fois que nous faisons des petits efforts, ce n'est pas rien, une épouse qui va se maquiller pour plaire à son époux, ou alors le mari qui va faire un bon repas pour faire plaisir à sa femme, ou alors l'enfant qui va descendre, qui va couper le jeu vidéo pour venir mettre la table. Ce sont des détails, mais n'empêche, mes frères, ce sont quelques instants de bonheur. C'est le ciel qui descend sur terre à travers nos pauvres actions et qui pénètre nos âmes. Oh, que notre bon Dieu aime à descendre dans les cœurs quand il y a de l'amour et de la joie. Mais ce n'est pas fini. La joie que Dieu nous donne, il faut la préserver. C'est un trésor précieux, particulièrement en cette période difficile. Comment faire pour préserver la joie que Dieu nous donne lorsque nous faisons des efforts? Il me semble qu'il y a plusieurs moyens. Tout d'abord, c'est de donner à Dieu la première place. Le matin, au lever, logiquement, on doit essayer de lui donner nos premières pensées, nos premières paroles. Vous voyez, ici au presbytère, on a essayé de garder cette tradition du séminaire. Le matin, quand on descend pour chanter les laudes, ça arrive de temps en temps, on essaie de rester en grand silence. Et seulement après les laudes, on parle. Mais pour que nos premiers mots soient pour le Christ. Pas de téléphone, pas de blabla. Essayez peut-être de le vivre entre vous. Alors bien sûr, ne faites pas ça pendant le petit déjeuner le matin, pas question. Là, il faut de la joie, pas de silence à table. Ensuite, mes frères, le meilleur moyen de maintenir la joie autour de nous, c'est d'apprendre à remercier les personnes. Parce que lorsque nous faisons des actes d'humilité pour remercier ce qui est beau, ce qui est bien, non seulement ça plaît au bon Dieu, mais nous apportons de la joie dans le cœur de l'autre. Et il y a tant de moyens de remercier, tant de raisons. Mais vraiment, tous les jours, nous devrions dire au moins 15 fois merci. Celui qui ne remercie pas, mes frères,
risque de regarder toujours ce qui ne va pas. Ça, c'est un piège. Et alors là, on devient aigri et désagréable. Et on casse la joie dans le cœur de l'autre. Il y a là un grand effort à faire. Apprendre à remercier. Quitte à se faire un petit examen de conscience le soir lorsque vous endormez. Allez, combien de fois ai-je dit merci aujourd'hui ? Avec la gratitude, mes frères, il y a aussi la capacité à se réjouir pour les autres. C'est vrai. Chérie, je t'ai acheté un établi, je sais que tu en as besoin. Ça coûte combien ? Non, mais on y va, mes frères, on se réjouit, tant pis. De toute façon, nos billets, on ne va pas les emmener au ciel. Ils vont rester ici-bas, les billets de banque. Non, mais c'est vrai, alors ça ne veut pas dire qu'il faut vider le compte en banque. Mais, voilà, essayez d'apprendre à se réjouir pour les petites choses, à ne pas casser les joies. Et puis, si ça ne vous plaît pas, ben, 3 heures plus tard, gentiment, vous dites, bon, il est très bien, mais je vais en acheter un autre un peu plus grand. Très bien. Et enfin, en dernier, mes frères, pour préserver la joie dans nos âmes, c'est bien sûr la vie de prière, comme nous l'avons dit. Essayez d'avoir cette prière intense tous les jours. Prière intense ne veut pas dire prière longue. Si j'ai 2 minutes d'intimité avec le Christ, « Seigneur, je vous aime, je vous offre ma journée, je vous demande pardon, vous êtes mon roi. » Ne serait-ce que ces petites paroles dites avec intensité, je vous promets, mes frères, que toute notre journée est transformée parce que nous lui donnons la première place. Essayons de vivre cette prière intense et commençons pas à nous dire « Ah oui, je vais me réserver 1 heure d'oraison chaque jour. » C'est pas possible, sauf pour les retraités. Pardon. Alors mes frères, je compte sur vous. Essayons de grandir dans cette vie intime avec le Christ qui nous apporte une grande joie. Et enfin, et je termine ici, la joie qui émane de notre personne et qui est liée à notre vie intérieure évangélise naturellement. Si nous sommes tristes, nous ne donnons pas envie aux autres de venir à l'église et d'aimer le bon Dieu. Alors certes, il y a des moments dans notre vie où nous sommes écrasés par de grandes, grandes difficultés. Mais là encore, mes frères, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un sourire béat tout le temps. Certainement pas, la souffrance est là. Mais au moins, aller puiser dans la prière l'aide du bon Dieu. Je ne sais pas, par exemple, actuellement, beaucoup de personnes perdent leur travail. C'est catastrophique. C'est un stress énorme. Mais là, le seul moyen, mes frères, de ne pas s'enfoncer dans les ténèbres, eh bien, c'est de supplier Jésus chaque matin. « Seigneur, aidez-moi, je n'en peux plus. Donnez-moi encore le courage aujourd'hui d'envoyer quelques CV. » Et de demander au Seigneur vraiment son soutien. Et cela dans tous les domaines. Si nous avons perdu un proche, que la souffrance est là, qu'elle nous écrase. Mais si, mes frères, nous vivons comme les personnes qui n'ont pas la foi, que vont-elles penser ? Ah ben, regardez, il n'a pas d'espérance. Il se prétend chrétien, mais à peine il lui arrive un drame, plus rien ne va dans sa vie. Je le dis pour moi, croyez-moi, parce que moi aussi j'ai mes souffrances. C'est un combat de chaque jour. Mais d'essayer de vivre avec cet esprit surnaturel. Pourquoi d'ailleurs saint Ignace de Loyola a invité ses frères jésuites à méditer souvent sur la mort ? Eh bien, c'est pour comprendre que le ciel nous attend, que le paradis sera 10 000 fois mieux qu'ici-bas. Mais nous ne le croyons pas. Nous nous attachons coûte que coûte à nos biens. Demandons, mes frères, la grâce eh bien, de grandir dans la foi, de laisser le Seigneur eh bien, enseigner notre cœur sur la beauté qu'il nous a réservée au ciel. Que cela nous apporte l'espérance, la joie, et que cette joie, nous puissions la transmettre dans ces prochaines semaines jusqu'à Noël. Amen.